Bonsoir tout le monde, nous sommes les Ocarina Knights et aujourd'hui on se retrouve sur Xenoblade Chronicles 3. Bon, t'as pas fini d'explorer cette zone, je serais quand même tenté d'aller au Wardio. Bah du coup, amuse-toi bien, c'est le retour des streams dans le désert. Et si vous voulez, on peut même passer 2 heures à affronter le mob, hein. C'est vrai, on pourrait. On pourrait, mais... Parce que une légende dit qu'on n'a pas les bonnes classes. Bah oui, c'est vrai, regarde, on règle le problème en 2 secondes, là, regardez-moi ça, si ça c'est pas beau, oh regardez. Ah tiens, mais toi tu vas même passer machin. Tu vas vraiment rééquiper tout le monde. Yes. Avec le bouton automatique, bien sûr. Ouais, attends. Oh, il a pas encore les nos ponts. Mais oui, je te dis, lui, il met trop de temps à avoir sa classe canon, là. Elle était quoi, elle, déjà? Bah, elle était maître, non? Je crois qu'elle était maître, hein. Ouais. Et on était avec le maître. Ouais, mais on va rester avec Alexandria, c'est sa zone. D'accord. Faut un peu de folie quand même, tu vois, dans le truc. Bon, avant de d'équiper, là, on va bien mettre le truc bien comme il faut. Bien comme il faut. Arch. Ah, c'est de l'art et métier. Je vais même faire ça. Ça me paraît peut-être. Y'a quoi là? Est-ce qu'on a gagné de nouveaux trucs, hein, j'avoue? Non, hein. Je sais pas. J'imagine que oui, c'est par rapport aux classes. Amélioré au rang 15. Amélioré au rang 15? Ouais, ça veut dire on va débloquer les classes. Elles vont avoir des caps. Je sais plus, mais il y avait un truc, c'était écrit amélioré au rang 15. Ouais. Attends, il lui manque un accessoire à Miss. Ouais, mais moi aussi, enfin, elle aussi. Ça a mis... Non. Allez, hop. Il manque un accessoire. Non, ah oui. C'est bon, bah c'est bon maintenant. Allez, oula. Hop. Non, elle, c'est bon. Et voilà. Voilà, on y est là, regardez. Non, on n'y est pas en fait, attendez. Quand même, on prend la bonne classe. Et tu sais que tu pourrais... Tu n'es pas obligé de mettre Mio. Ouais, mais on a décidé que la team a été comme ça, on va pas la changer. Hein. C'est bon. Ouais, ouh, un truc d'éther. Ouais, c'était pas là que t'avais... Non, c'était Cléo. C'est une veine d'éther, n'est-ce pas? Oh, Alexandria, là. Oh, Alexandria, là. Oh, Alexandria, elle est à fond. tu vois, il fallait... Ah, je vois, c'est le talent d'Alexandria, trouver des veines d'éther. Trouver les veines d'éther, tu vois, c'est hyper important. Non mais laissez-moi tranquille, je vais pas vous affronter, hein. Vous ne m'intéressez pas. En vrai, je t'avoue que j'ai hâte de débloquer un autre protecteur là, parce que... Bah regarde dans ta liste de... Oui. Bah techniquement ils sont dans l'ordre que t'es censé les débloquer alors... Ah oui, l'ordre, vois... super ordre, non, mais... attends, tu veux qu'on parle de cet ordre là, je... Non, mais... elle est pas très bien placée, hein. Mais non, mais c'est pas grave. Donc du coup, là, soigneur, attaquant... Oh purée... Voilà, défenseur. Ah, quand même. Bon, bah j'ai hâte de débloquer solitaire en exil et pas solitaire. Ah, c'est peut-être un solitaire, on ne sait pas, hein, finalement. On est plus à ça près. Je tiens à dire qu'on y aura passé du temps dans ce désert. Oh, wow, merci pour le don. On a même reçu un petit don. C'est 5€ de cire mécabiné qui dit petit cadeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le petit cadeau. Voilà, je te dédie ce futur combat. Quoi? Pourquoi j'ai hémorragie là? Bah, heureusement que t'as pas fait le gros combat direct du coup. Bah oui, que se passe-t-il là? On va même pouvoir tester les nouvelles. Les Ouroboros. Les nouveaux Ouroboros en fait là. Parce que bon, à chaque fois on fait des combats, ils durent 2 secondes. Bon, alors pourquoi j'ai pas la bonne compétence là? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que ça gardait les compétences qu'on avait équipées. À chaque fois tu te fais avoir et ça remet épine secrète. Voilà! Est-ce que tu devrais pas. Non, c'est bon. Oh, il s'est retourné. Ah, il m'a bien eu. Déjà... Oh, trop bien. Oui, bah, je suis déjà en train de me faire attaquer, surtout. Allez, let's go, allez. Ah, un joli petit échec, là. Ça fait plaisir.
Oh, il vient me protéger, Noah, il est trop stylé. Il est venu et tout, c'est incroyable. Ah, il est trop stylé, Noah, voilà. On se le dise. Biggie l'effacé. C'est très bien, Biggie l'effacé. Biggie l'effacé. Oh, purée, 13 000 quand même, purée. Ah bah il est venu, le petit bébé là. Ah, c'est taillon, il est mort. En vrai, c'est sûr que j'ai mis Yumi en jaguar juste pour rigoler, mais en fait, je pense que c'est pas forcément une classe si bien que ça. Bah, si, il y a des araignées qui viennent sur les côtés. Mais ouais, pour le coup, ouais. Donc, ça peut aider, je pense. Hein. Oula. Ah, mais un point de vie, on n'a pas besoin de plus. Hein. Non, si elle a pas une attaque. Bon, finalement, j'ai rien dit, ok. Non, si elle a pas une attaque qui met à un point de vie, parce que. Déjà, avec Taillon, j'aurais eu un truc comme toi. Mais oui, en fait, les trucs ils repopent en masse, on est d'accord. Hein. Je sais pas. Ouh là là. Ça va mal. Yumi est morte. Yumi est revenue à la vie. Côté. Allez, faut tenir le coup. Oh, t'as plus de soignant du coup. Ah mince. Bah en fait, Yuni et Taillon, ils... Ah bah non, Taillon est mort. Ce que j'allais dire, Yuni et Taillon, ils ont un truc qui ressuscite. Ouais, ouais. D'ailleurs, on est pas genre seul. Ah non, il y a encore Yuni, elle est encore en vie. Elle est trop stylée, Yuni, finalement. Ah, quel dommage, du coup. J'irais bien, il y a Lens aussi, hein. C'est vrai, il est là. Ouais. Ouais, j'allais dire, faites un enchaînement. Bon, allez, on tente quand même. On est 4. C'est parti. Y peut-être. Ouais, allez, vas-y. Oh, pas mal. Ça va finir sur Mio. Ouh. On n'a pas besoin d'être plus, à 4, on gère. On a du soin là, qu'est-ce que... Ok, très bien. Ça fait tout. Vas-y, vas-y, Noah là, fais tous tes dégâts là d'un coup. Oh purée. Oh purée. Trop fort, Noah, il est trop fort. Allez, suivant. Purée, si vous le battez avec ça, c'est abusé. C'est hein. Abusé, hein, j'avoue. En vrai, je serais tenté de faire le DPS là. Let's bah, go. Vas-y, hein. De toute façon, c'est ton dernier. Bah oui, vu que je suis avec les gens qui sont morts par terre là. Ah, est-ce que je tente Non. Vaut mieux pas, hein. Non, je pense que. Non, mais elle fait 25 000. Elle fait 25 000. Et voilà, pas besoin de soigner. Noah, il est trop fort. Yay! Yes! C'était difficile. N'oublie pas le coffre. À la base, c'était pour ça qu'on était venu. C'est tellement abusé les enchaînements. Non mais ils sont trop forts, Noah et Mio. Pourquoi soigner si on peut battre l'adversaire avant qu'il nous tue? Exactement. Eh mais il y a un point d'interrogation, ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu. Enfin, ah mais c'était fini en fait, ici.
Oui, c'est pour ça que j'étais reparti en fait. Ah, j'avais pas vu moi, je t'avoue que en fait, je m'étais dit bon, vas-y, on va terminer pour le beau jeu, tu vois. En fait, très bien. Ami, ennemi? Oui, il fallait aller à l'entrepôt. Et c'est où ça là, je... J'imagine que c'est un endroit caverne, tu vois. Et du coup, Wesh. comme on sait pas utiliser notre carte. Donc c'est à 1300 mètres à partir de là. Attends, quoi? Non mais si je m'étais épié là, est-ce que vous m'emmenez là? Non, vous me dites d'aller où? Attendez, vous me dites de remonter? Ah non, vous me dites de descendre. D'accord. Attendez, vous me dites d'aller là-bas? Non, enfin, la colonie. On va y aller à pied, écoutez, hein, c'est... c'est bon, qu'est-ce que c'est 900 mètres? C'est juste 10 minutes de marche, ça va, c'est tranquille. Bon, par contre... Si on se prend pas les cailloux. Par contre, vous me faites passer où, là, encore? Passe derrière ce petit chemin. Ah bah attends, il y avait une autre sortie! Mais c'est incroyable, mais on a vraiment rien fait, c'est quand même... Eh ben c'est cet endroit-là, je crois que... Non? Bah non, il n'y a jamais Ah, été. je vois, non, si, je vois, je vois. Je vois où on est, effectivement. On a vu cet endroit, mais à partir d'une autre... Oui, et moi depuis, j'arrête pas de te dire, je suis sûre qu'on a vu un endroit comme ça et je veux y retourner. Et toi, tu me dis, mais non, je vois pas où c'est et Ouais, mais ils étaient tout. trop forts, les ennemis, ici. Et à gauche, il y a un coffre et... Ouais, j'ai vu, mais... Est-ce que j'y vais Mais maintenant? oui. Et en fait, j'étais triste parce que je voulais retrouver cet endroit. Ouais, ok, Bon, ok, finalement, tu pourras pas. Ok. Ah, peut-être que si, tant que j'y arrive, il va plus me voir. Non? Non, bon. Très bien. Est-ce que tu ne devrais pas rechanger de classe d'ailleurs? Je sais pas, hein, ils sont quand même forts les mobs. Je comprends votre. Je comprends votre appel, mais j'avoue que C'est je. vrai qu'on est revenu dans les zones fortes. On rechangera quand on retournera faire la quête de l'autre là, là. Dans. Je sais même plus qu'est-ce qu'ils veulent comme quête là, j'ai complètement oublié, mais. Et ouais, c'est vrai que cette zone. Mais du coup, sur la carte, je revoyais pas Ouais, où elle mais était. en fait, c'était parce que nous, on était venus. Ouais, on était Non, plus ben, haut, de là, plus haut. de encore plus haut. Non. Oui, si, regarde plus haut. Regarde plus haut, regarde plus haut. Là. Et je Ah, pense on que c'est venait de là. là. Oh, purée, oh, purée, c'est énorme. Non, mais ce désert là, mais infernal, ce désert, hein, Et il du est coup, infini. j'étais trop triste de ne plus retrouver ici. Donc du coup, là, je suis contente. Ça y est, on y retourne enfin. Mais surtout que c'est une zone énorme en plus. Mais vraiment, non, mais le désert, c'est vraiment un truc de fou. Ce désert Grotte est... féerique, trop bien. Oh, il y a un objet par terre à prendre. T'as vu? Ouais. Ce désert Et on est... va se faire Ce attaquer. désert est vraiment immense, hein, c'est... Laisse-moi juste récupérer ça et puis je m'en vais après. Oh. Attends, il y a ça aussi, c'est... Aïe, faites pas mal. Oh, c'était un litchi. Non, mais faites pas mal! Ah, il y a les trois carrés en sur moi là, c'est bon. On a appris la glissade, c'était sympa. Ah, c'est donc comme ça qu'on apprend à faire des glitches, je vois. On peut faire des... Comment ça s'appelle? Des Super super slides, c'est slide. bon. Bon, alors pas sûr que ça soit utile, mais... Ça manque de moyens de transport pour se déplacer plus vite sur la map. Bah, peut-être qu'on en débloquera un plus tard. C'est quoi vos zones favorites dans les jeux? Dami, c'est la forêt. Ah ouais, la forêt là. Non, mais c'est vrai que les petites forêts comme ça avec les petits points d'eau, les petits étangs, les petits lacs, moi j'avoue que je sais pas, je trouve que c'est sympa. Ça fait toujours, voilà, il y a ce côté bleu, ce côté vert, c'est sympa, c'est la nature. Au niveau 47 là. Suis du même avis que Dami, mais avec moins d'arbres.
Comment tu peux dire que la forêt Kokiri c'est pas l'endroit le plus charmant du monde? Je ne sais, je me comprends pas. Alors après, effectivement, tu me parlais des espèces de ruines là, récemment. Remplies de végétation. C'est cool aussi. Hein, avec des fleurs partout. Bon, dans tous les cas, il me faut de la végétation. Voilà, c'est. Mais oui. Ça, c'est un critère indispensable. Après, c'est vrai que petit lac, petit arbre, j'aime bien aussi. Je pense à dans Breath of the Wild, l'endroit, le mont. Le mont, je ne sais plus quoi. Wow. Oh, c'est stylé. Par contre, c'est moins stylé parce que. Il vient m'attaquer là. Mais laissez-moi tranquille deux secondes là. Je vous complimente et vous me tuez. Mais... Vous êtes trop méchant et vous me faites repop ici en plus. Oh là là. Les gars, tu les complimentes, il arrive comme ça de nulle part, il fait Alexandria, j'aime. Si vous me faites pas confiance, allez là-bas, vous verrez. Et là, tu meurs. Yes, mon plan a marché. Elle est terrible, Alexandria, en fait. Le Mont Satori, merci beaucoup. Voilà, Mont Satori, c'est très cool. Et je suis déçu, en plus, je voulais voir l'attaque de Alexandria, là, pendant le... Après, j'aime bien... Oh, il y a une flûte, là-bas. En fait, j'aime bien aussi dans Xenoblade, parce que c'est genre des espèces de... d'îles remplies de verdure, flottantes, avec les nuages et tout, et je trouve que c'est très stylé aussi. C'est vrai, c'est sympa. Non, mais pour le moment, c'est vrai que l'ambiance environnementale de Xenoblade est sympa. On a visité des mines, c'est peut-être l'endroit un petit peu moins charmant sur le coup, mais les deux premières zones, c'était très cool. Voilà, comme a dit Woody Woodwan, les plaines avec quelques plans d'eau et de verdure ainsi qu'au-dessus des nuages sont les meilleurs lieux. Ouais, je suis d'accord. Après, mention spéciale quand même aux cavernes de cristal aussi. Ah, j'avoue, les cavernes de cristal c'est, ça fait toujours quelque chose. Ça a fait son petit effet. Est-ce que ça me ferait pas un petit point de TP, ça, là, genre ? Ça m'a l'air pas mal, ici. Qu'est-ce wow, que c'est des hommes lézards ! Je vais les affronter, c'est des archers en plus, c'est inadmissible. C'est dédicace à toutes les personnes qui aiment les archers, genre Atonner par exemple, on entend en arrière-plan. Il y a un peu too much désert dans ce jeu. Ah, ah mais un désert c'est grand hein. Il était déjà grand en vrai, le désert de Xenogears, c'était pas mal aussi, au niveau de la taille, et au point de vue pénible à traverser également d'ailleurs. Donc non mais ils gèrent hein, les déserts dans la team à Monolith Software là. Ça gère. Grotte de nid. Ah, c'est pas un TP, putain. Oh, c'est, on dirait tout un donjon, là. Hop. C'est clair. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'on va m'envoyer là-bas plus tard ou pas? On va jamais m'envoyer là-bas, on est d'accord. Bah, c'est là qu'on t'envoie maintenant, finalement. Enfin, on t'envoie plus à gauche que à droite. Mais... Bon, vas-y. On va peut-être trouver une quête de héros là-bas. Il y avait un petit chemin. Ouais, mais j'ai pas. Je crois que c'est en hauteur en fait. Mmh. Oh là là, ça a l'air d'être une grande zone et tout. Bon, les petits lézards là. Attaque et pap. Oh, j'ai cru qu'il m'avait. Bon, allez, tant pis, j'ai pas envie de mourir. Bon, c'est pas grave, j'ai. Elle s'est noyée! Elle a papier! Je suis pile au bon moment, j'ai lancé le combat hein, parce que. Oui, oui, oui! On dirait un lieu de quête, mais oui, c'est trop bizarre ici! Je t'avoue que j'aurais pas forcément voulu explorer la zone, mais bah, au moins trouver un point de TP, ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais! Après, au pire, sort et passe à gauche si possible! Enfin... Donc, il veut dire quoi là, par contre, à gauche. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par va, sort et va à gauche? Voilà, tu peux pas le voir parce que t'es sur la petite carte, mais. En gros, moi, ce que je te disais, c'est là, tu vois, à gauche, gauche, par là.
Tu veux que j'aille là-bas? Mais non, je te disais que si t'avais pas envie d'explorer ici, peut-être aller là-bas, mais fais comme tu préfères, hein, ne suis pas mes indications. Ils m'ont pas vu. Bah en fait, moi je me disais que je voulais y aller éventuellement pour créer un point de TP en fait. Mais ouais, les humains, il y en a pas en fait. Je comprends. Je pense que les zones d'une ville nocturne pluvieuse et style futuriste sont très précis comme critère. Parfait exemple les néo-lumirés de Mythopia. Oui, c'est un très bon exemple du coup de. Ah, c'est un très bon exemple de pour illustrer le propos, effectivement. Alors, je crois que j'ai jamais été trop fan des villes de manière générale. Je trouve que c'est quand même sympa. Hein. Ça donne des visuels assez sympathiques, mais. Ça n'a jamais été trop mon délire les villes. Ouais, je pense que visible dans les RPG ça n'a jamais été. T'es passé. Je me demandais s'ils allaient réussir à passer. Mais... Ils tentent même pas quoi. Vous avez fait le tour là, bande de tricheurs. Même toi Yuni t'as triché. Oh là là, je suis déçu. Justement, Yuni c'est la première à tricher. T'as dit quoi? Oh, une dépouille, mais. Oh, un gorille. Oh, un atonnerre. Oh, ça va, ils sont pas si forts. Tu viens? Ouais, bonjour atonnerre. Toi aussi, tu viens explorer le désert parce que ça t'a aimant. Oh là là. Oh, il est énorme. Faut passer doucement pour prendre le coffre sans le réveiller. Ouais, mais ça va être dur avec atonnerre, il fait plein de bruit. C'est vrai, hein. Pourquoi tu fais le tour atonnerre? Tu pouvais passer sur le côté. Ah non. Je connais pas les raccourcis, hein, comme minuit. Le gorille veut nous tuer. Oh. Ah, il est toujours en train de nous suivre, le mob. Wow. Ah, il vise Noah visiblement. Ah, ça y est, il en a eu marre. Alors là-bas, une dépouille. Ah, mais c'est abusé, c'est tellement grand. Oh, le gros boss. Laisse-moi sauver mon ami là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un oiseau. Avec, on dirait un hibou. Il fonce droit sur toi. Il vient te manger. Est-ce qu'on tente de se le faire là? Oh bah, il a dit oui. Ok, très bien. Ouais. T'as même pas eu le temps de répondre. Le gars, il a fait ah si si. Ah ouais. Oui, c'est complètement Panthelas. On est. On n'est pas du tout fan de rester explorer le désert. C'est un mème ce désert, c'est pas possible. Mais non, mais ah, vous sachez quand même que dans l'épisode 70, quelqu'un raconte qu'on y sera toujours hein, dans le désert. J'étais fatigué, mieux. Comme tous les oiseaux. Oh mince! Tu leur dis de se rassembler. Non, le boss il va décoper. C'est à moi de me rassembler avec eux là! Bon tour, hein. En espérant que tu vas pas aller trop loin. Oh non, j'espère que je vais pas attirer les chevilles. Et il gère bien quand même, hein. Quoique, je ne sais pas. Ouais, si ça va, personne n'est mort hein, pour le moment. Là, je vais tout le monde. Moi, je crois que c'est le stick hein, qui a décidé de partir. Et voilà, il l'a refait là. Mais... Petit drift là, c'est le moment. Je voulais aller sur le côté pour faire des attaques sur le côté, justement. J'espère que vous ferez une rediff qui s'appellera La Traversée du Désert. C'est vrai que je crois qu'on m'avait déjà demandé c'est quand le prochain épisode de La Traversée du Désert.
Ça manque, tout le monde aime bien cet épisode. Ouais, tiens. Putain, mais arrête. Oh là là, elle est insupportable le stick aujourd'hui là. Bah, en fait, c'est depuis que t'as eu le sommeil, t'as dû. Ah, tu peux faire un enchaînement. Il est tombé. Non mais c'est pas possible, mais non. Allez, le stick, arrête. Il est trop loin le mob là, on n'arrive plus à le toucher. T'inquiète, si tu peux plus toucher, ça veut dire que lui non plus. Oh, c'est trop stylé quoi. Alors attaque. C'est pas vrai ça par contre, en revanche. Oh mince, Alexandria est morte. Ah mince, j'allais faire la fusion dès que... Ressuscitez Alexandria s'il vous plaît. Ils sont descendus. Ah, attendez. T'es quoi toi déjà, Lens? Bon. Ah oui, du coup, on va pouvoir tester Alexandria là, ça y est, alors qu'est-ce qu'elle fait de beau? Multiplié par 125, les pété. C'est l'attaque en premier et rend tous les coups critiques. Et bah, let's go! C'est génial, mais elle est. C'est incroyable! Coup critique élevé, esquive, coup critique par derrière. Let's go, ferme l'illusion. Bravo, maintenant tous les coups sont des coups critiques. Critiques. Ah non mais là. Ah le stick il en peut plus. Hein, c'est... Ah, tout ça pour acheter une manette Pro Splatoon 3. Alors non, on va pas utiliser Mio maintenant. Je suis en train de dire, mais attends, j'avais pas pris Alexandria, mais non, c'était le premier attaque qui était Alexandria, pas... Alors, qui revient Alexandria. Super. Ah bah tiens, ah bah elle est là en plus. Il monte le pourcentage des coups critiques pendant l'enchaînement de 22 points. Et à quoi, des équilibres de flanc, donc critique, hein, ça m'a l'air plus bas. Ça m'a l'air... Que de la critique. Tu fais... D'accord, ok. Je m'en occupe. Ah oh ouais, moi aussi j'aime bien Kirikizan. Allez, Mio là. Mio. Merci. Pas grave, Mio c'est très bien aussi. C'est vrai. C'est uptime pour voir depuis quand notre stream a commencé. On est fou de vie en fait. Ouais, ça va. On est fou de vie, très bien. Vas-y, c'est ton moment. C'était pas une attaque ça, Yumi en fait. Mince. Non, mais pourquoi vos skis ont changé? Non, mais la dernière mais fois c'est que c'est parce qu'après t'as fait truc auto et ça se trouve ça a changé des trucs. J'avoue. Oh, c'est terrible. Ah, yes, y'a Mio. Alors, un petit... Ah non, mais y'a même Taillon. Au moins que tu fasses Uni Taillon, Mio. Uni Taillon, Mio. Ah ouais, pas mal. Bon, du coup... C'est celui de gauche. Bah non, celui de gauche, il est nul, maintenant. Ah. On va essayer de tester le B. Hein. Wow. Ah, ils sont motivés là, ça y est. Alors, qu'est-ce qui fait des dégâts? Bah, ça a l'air d'être Y, sans regret. Allez, vas-y, Mio! Fais 10 millions de points! Il est presque mort, hein, attention! Oui, ça sera le coup final. Rapidité de l'éclair! Tchac, tchac, tchac! On n'aura pas terminé sur un nom, un truc court. Si, quand même. Finalement, hein. Non, mais en fait, faut pas le faire, hein, le truc de Ouroboros. Faut pas commencer avec Ouroboros, vraiment, je pense. Hein. Bah, faut le faire en cas d'urgence, comme le combat précédent, tu vois. Ouais, ouais. Allez, on commence par. Oh purée, mais non, mais elle abuse, quoi. Ouais, tu peux monter les pourcents. Attends, on va faire. Elle, ça me paraît bien.
En fait, tu fais que les soigneurs. Ouais, c'est ça. Et tu finis sur Alexandria. Mais il est déjà mort, pourquoi vous continuez de le frapper? Ah, ça nous c'est fait... pour le plaisir. Ça nous fait... On fait monter le compteur. Exceptionnel. 1019% de dommages, attention. Vous voulez pas que le monstre reste en vie. Il était sage, mais... il ne s'attendait pas à ça. Il fait tellement mal. Oh, oh, on l'a presque atteint. On l'a presque atteint. Oh là 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 là. Bon, tout ça pour sauver cette dépouille qui a été déjà sauvée en fait. Non mais tout ça pour un point de sauvegarde bien sûr. Ah bah oui. Enfin un point de TP. Oui. Il est super loin le point de TP hein, par contre. Par contre, vous permettez que... non. Hein. Ah mais ce serait pas un... Ouais, on dirait un feu de camp. Eh oui. Camp de Visura. Obligé de nettoyer tes vêtements maintenant. Non, je rigole. Allez, nettoyons nos vêtements maintenant. C'est le dernier. Oui, oui, je me demandais juste qu'est-ce qu'elles allaient faire. Elles font des étirements. Non, elles sont en train de fusionner, qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, pardon, excuse-moi. Salut, Ocaric Blackton. Et c'était ainsi que... Oh, j'allais dire, c'est ainsi que le papillonnage de Dami. Non, mais le jeu aussi il nous a donné des quêtes. Ah. Bah, de toute façon, le mieux est doublant, on en fond, mais je t'avoue que je sais pas combien on est là. Bah, on était haut en fait déjà. Il faudrait aller acheter des choses. C'est waouh, c'est... Tout ceci est bien en bazar. Hein. Je me demande si demain vous allez faire un live Fire Emblem Heroes. Non. Non. En revanche, on fera un live dans notre jeu. Mais nous vous laissons la surprise pour demain, même si elle n'est pas très difficile à deviner. Notre interlien il monte vite maintenant. Oui, c'est bien d'avoir monté l'arbre. Hop, on continue de gagner du niveau parce qu'on en avait pas assez. Hein, ouais. Quand même. Metal Gear Solid 4, bien sûr que c'est Metal Gear. Bah, bien sûr, évidemment. Oui, j'avais envie de me transformer juste pour la fin. C'était un simple plaisir. Ah ouais, d'accord, on en a trop. Bon. Youpi. Bah, tu peux te téléporter pour aller en dépenser quelques-uns et... apprécier avoir fait ce combat pour rien. Bon, ça va, on en a perdu qu'un dans le tas. Plus haut, plus haut. Ah oui, c'était là, non, pardon. Excuse-moi. Un épisode de Poképark et de Fire Emblem inversé comme la semaine dernière. Ça me fait penser que j'ai oublié de rechanger le planning sur YouTube là. Ouais, dès la suite de la quête de Mifa demain. Yay! Est-ce qu'il y a un truc qu'on avait trouvé sympa? Bah, il y avait un truc, je sais plus si c'était le 80 ou le 90. Bah, le 90 c'est recharge de 10% en aléatoire à chaque garde effectuée. Ah non, alors c'est pas le 90. 10% de chance de garder à la recharge à l'exécution d'un art. Ouais, c'est pas mal en vrai. Après, moi j'étais presque tenté d'acheter un deuxième bandana d'urgence. Allez, on peut en acheter un deuxième. Eh oui. Ah, bah let's go. Comme ça, bah comme ça, on... les deux soigneurs en moins. Ouais. Là en ce moment, c'est qui le soigneur? Bon, en fait, enfin, je sais même pas si ça les aura, ça leur a donné. Je crois que ça les aura pas donné. Hein. Ça. Le bandana d'urgence. Et... ouais, elle l'a pas eu.
Oui, elle préfère augmenter son attaque, tu sais. Voilà, hop. Tranquille. Les tomates, c'est très fort. Bon. Bon, retournons. Ah oui, non, c'est vrai, je ne peux pas me TP comme ça parce que ça veut être dans la caverne de Thor là, mais. Ça ne sert à rien. On aura bientôt les streams de Fire Emblem Warriors Triops qui vont s'ajouter dans le planning aussi. C'est vrai. Ouais, 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 non, il y a trop de jeux hyper longs sur cette chaîne, c'est incroyable. T'inquiète, c'était écrit dans ma liste des choses à faire au début de l'année. En janvier 2022, j'ai écrit on va faire plein de jeux longs. Oui, mais c'est très bien, moi ça va, tu sais, moi j'aime beaucoup les jeux. J'aime beaucoup les jeux de manière générale, donc il n'y a pas de problème. Metroid Prime. J'ai repensé à Metroid Prime aussi. Ça, on ramasse. Gorilleux là. On est obligé de l'affronter, gorille. Ouf, on n'a jamais affronté de gorille. Je peux vraiment pas le toucher d'ici. Je peux pas fusionner avec moi. Il est venu l'autre là? Ouais, je vous ai affronté les deux. La quête des rubans c'est bientôt fini. Ouais, ouais, elle est censée être bientôt finie, mais bon, outre le fait qu'on est toujours pas retourné dans le combat, j'étais hésitante quand la finir cette année ou attendre que la Pokébank devienne gratuite l'année prochaine. Pour faire des économies. Ah, c'est aussi. Ça donne quoi ça du coup? Des friandises! Ah. Oh yeah! Pas plaisir à minuit ça. Invité d'Ivol pour faire un marathon. Un marathon de. Ben non, n'importe quoi, Dami! Est-ce que tu veux? Sûr que l'Ivol il dira. Voilà, il sera parti. Je dirais importe, pas non! Il dira, il sera d'accord peu importe le jeu. Vous en avez pensé quoi des courses de Chao version FF7 avec les chocobos du coup? Ah mais ah, je suis mitigée parce que on n'a pas très bien compris le truc finalement. C'est vrai, hein. Ça par contre c'est vrai que bon. C'était pas très clair. Bon après tu dis c'était pas très clair. Rappelons quand même qu'on est sur une version qui a été traduite en 2 jours et demi. Certes. Par un Allemand. Dans ta caverne. Ah c'est la caverne. Bon, je rigole, hein, je ne sais pas du tout qui a fait la traduction de FF7. Hein. Il n'y avait pas aussi un nombre total de let's play? Non, c'était pas un nombre de let's play à atteindre, c'était un nombre de jeux à faire dans l'année. Ça veut pas forcément dire qu'il faut les faire en let's play. Oui, non, après voilà. On a le droit de jouer à des jeux. Nous aussi, on peut jouer de temps dans en temps. Bon, même si en ce moment je le fais pas, hein, j'ai pas le temps. C'est. J'avoue, moi en ce moment je fais plein de dessins, je suis trop contente. Non, j'ai un bon rythme en ce moment. Il y a des mobs partout là. Tu peux pas explorer une caverne tranquillement. Ils sont tous en train de mourir mes amis là. Bonsoir, Boukui. Ah mais j'ai fait le tour là. Ah mais c'était pas si grand que ça. Ouais, il semblerait. Bon après il y a plein de petits chemins sur les côtés donc on sait pas finalement. Ouais, j'aimerais bien regarder la carte. Mais Ouch, ouch, t'es visé et t'as plus beaucoup de vie. Je voulais pas changer de cible, voilà, merci. Ah oui, d'accord, carrément, genre. Oh! Mais comment je me suis fait punir là en mode. Allez, non, c'est bon. Là, on en a marre, là, c'est bon. Bon, bah, c'est pas grave, on va regarder la carte. Oui, Xivarel, tu as raison. Ce jeu est sur la liste des jeux à faire. Oh, il y a un chemin comme ça, ok, ok. Ah oui, ok, ouais, je vois. Attends, quoi? Ah non, si, c'est bon. Compliqué, hein, cette grotte de lézard. Ouais, les mobs, ils sont beaucoup trop agressifs. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Hein. Bon, quand même. Arrêtons l'exagération. Alexandria a besoin d'aide. Il serait gentil de l'aider. Ah, tu vas continuer la quête? Ouais, je pense. Ah, disons que en fait, comme on est entre guillemets pas assez fort là, les mobs ils veulent oui, nous attaquer. Oui, donc, oui.
Buki. Ok, ok. Il n'a pas l'air simple ce jeu. Alors en fait, non. Non, non, mais. Le fait est qu'on se promène dans un endroit où on n'a pas le niveau. C'est surtout ça. Bah, en vrai, on pourrait. En vrai, on pourrait, mais. Mais il faudrait juste s'arrêter à chaque fois pour pouvoir. Ouais, faudrait juste les affronter, quoi. Mais voilà, c'est. Mais vous en faites pas, dès qu'on croisera un combat de boss, ça ira. En vrai, ça va, le jeu est pas trop compliqué quand tu joues Mio double lame. Spécifiquement Mio double lame. Non, mais je dis des bêtises, hein. Bien évidemment, y a pas, c'est pas Mio double lame qui est spécialement bien, en fait. Hein. Oh, est-ce que tu vas aider les gorilles ou les lézards? Je sens que ça va être les gorilles. Ah non, c'est les lézards. Ah, il est pas content là. Oh, il est pas content. Waouh, il attaque tout le monde. Ouh, ah oui, non, mais là, le. Il s'est fait écraser. Ah oui, non, mais là. Courage, Alexandria, là, je vois que toi aussi t'es en train de succomber à tes blessures. Au moins, on l'aura fait tomber, lui, c'est bien. Attends. Trop bien, je l'ai raté. En fait, je pensais que. Ok, je pensais à rien en fait. Alors, ça ressemble à quoi un lézard finalement? Oh, ils ont des bonnes têtes. Ils s'en vont, c'est bon. Oh, regarde un poste numéro. Ah yes, on va le faire, dis tiens, t'inquiète, ça va bien se passer. Bon, à la base, je voyais une dépouille là-bas, donc. Et on a bientôt le niveau pour le nord de la première zone. C'est exactement ce que j'arrête pas de penser en me disant. On va pouvoir. Oh non, oh non, 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 tu. Non! Ah, il veut pas lui, hein. Genre, ah non, je l'ai mangé, lui c'est bon. Hein. Ah, il nous a oublié. Oh yes, let's go! Vite, il faut faire vite avant qu'il repop. Parce qu'il repop assez vite quand même. Genre, il nous a oublié super vite lui. Ça. Mais oui, mais à mon avis, c'est parce qu'en fait, il est grand. Mais la zone est toujours aussi petite. Ah, ça y est. Le poisson! Allez, courage les copains. Ah, vous en êtes sortis comme des chefs. Très bien. Donc, on va pouvoir s'approcher de ce petit coffre fort sympathique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui, là, le chef. Tout le monde déteste. Il s'approche là dangereusement. Regardez-le là. Il faut le battre avant que l'autre arrive là. Mince. Ah oui, du coup, voilà, effectivement, bon, je viens de le regarder maintenant, mais effectivement, du coup, on peut changer de... Mmh. Roboros. Voilà. Il y en a un autre. Ouais, je me demandais s'il allait nous voir, et il nous a vu. Est-ce qu'on arrivera à avoir le A, là? Oui. Il est beaucoup trop fort ce pas. Ah non mais c'est clair hein. Ah, il demandait si ça allait me switch personnage mais non. Merci Boudy pour l'information. Ils sont deux pour traduire tout le jeu. Je croyais que c'était une personne seule, visiblement non, ils étaient deux quand même. Je confonds avec un autre jeu, du coup. Donc voilà, les conditions de traduction des jeux à l'époque n'étaient pas forcément
n'étaient pas forcément les meilleurs, malheureusement, pour... Bah, déjà, à l'époque, on n'avait pas un internet aussi riche, donc... Tu faisais avec, avec ce que tu pouvais. Ouais, ouais, ouais. Qui est en colère? Le gars, là-bas. Ah, ok, ok. Il a un côté mignon. Il a réussi à venir jusqu'ici en tout seul. Bah, il est super fort. Hein. Bah, même aussi, les conditions étaient pas forcément elles étaient pas forcément super et tout. Et puis, ils avaient pas beaucoup de temps aussi pour traduire. En fait, je me demande à quel point le fait qu'il fallait que ça rentre dans les boîtes de texte aussi change le fait que... Alors, je pourrais pas te dire... Pour raccourcir des phrases ou des trucs comme ça, je sais pas. Pourrais pas te dire, mais pour avoir étudié un peu à la demande de... Pour avoir aidé, entre guillemets, un peu à la traduction de... Ocarina of Time mal traduit. Dans Ocarina of Time, tu peux créer autant de boîtes de dialogue que tu veux. Ok. C'est pas un problème, finalement. Je vois. Risa. Est-ce qu'il est en colère contre nous? On a mis trop de temps à venir? Non, il a un côté mignon. Risa, nous devons parler. Tu fais peur à Senna. Pardon, je suis pas bavard. Ah, compris. Attention, monstre. Au monstre, il y a un bout de chemin jusqu'à notre entrepôt, alors attendez-vous à croiser du monde. Il est difficile à trouver et les monstres nous servent de système anti-vol. Ils sont parfaits pour ce rôle, ah bah, d'ailleurs. Surtout l'immeuble niveau 60. C'est à Dami qu'on doit les beubeurs. Non, j'ai vraiment traduit genre 3 lignes en fait, parce qu'on me demandait de l'aide sur comment ça fonctionnait le programme et tout. Et honnêtement, j'ai vraiment pas aidé beaucoup. Hein. C'est dangereux là-bas. Ah, d'accord. Nous ferons attention. Pour le reste, voyez avec Shell. Et Dame Alex? Oui? Soyez gentille. Je suis gentille, pas besoin de me le dire. Et puis tu peux parler. Allez, en route. Soyez gentille, Alex. Qu'est-ce qui nous attaque encore, là? Des chauves-souris. Je sais pas si je les tue, parce que si ça me refait exactement le même coup que tout à l'heure, là, genre... Donc on va dans une caverne, on va se faire attaquer en masse encore, là, donc peut-être que je devrais les tuer, je ne sais pas. Aider pour Canondorf von Grodor. Non, en fait, moi je me rappelle que c'était les tout premiers dialogues dans les codes du jeu, pardon. C'est les dialogues de l'inventaire. Donc c'est des trucs dans l'inventaire. Enfin pas des trucs de l'inventaire, mais les objets, voilà. Bonjour, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai pas pu venir au début, j'étais à un match. Eh bien, bonsoir. Et là, en ce moment, on est parti se balader, faire des promenades et des quêtes annexes. Donc, je pensais on peut pas... dire que tu n'as rien manqué. Je pensais finalement pas que ça serait aussi long. Hein, je t'avoue. Que... J'avoue. Moi, non, mais la faute à la quête de la colonie. J'allais dire Iota. Iota, c'était Iota. Non, c'est pas Iota. Bah, la colonie d'Alexandria. Lambda, c'est la faute à la colonie Lambda. Non, mais en fait, la colonie Lambda, ils nous ont fait des quêtes, pardon pour les claquements. Je joue avec une pince à cheveux. Ils ont. Je m'ennuie trop là, les combats ils sont nuls. Ah, les chauves-souris ça m'intéresse pas, merci. Hein. Donc je disais, oui, les colonies lambda nous a envoyé dans le désert et on a découvert qu'on n'avait pas tout visité. Alors du coup, bah depuis on y est retourné. Les petits modes élite là-bas. Si vous pouviez arrêter de m'attaquer, ça serait genre super chouette par contre. Heureusement qu'on est censé devenir plus furtif et compagnie. Hein, parce que... Mais ils sont au niveau! Oh, une vénétaire. Bon. Donc, on va devoir le tuer lui. Histoire que je regarde un peu la carte. En espérant qu'il n'y ait pas. En tout cas, je peux pas fusionner avec. Ouais, je peux. Tout seul.
Ah, tranquille. Vous voulez qu'on aille où, là? Ah, mais y a pas d'autre... Mais c'est un chemin, ça! Attends. Bah, c'est là où tu dois aller, oui! Je dois aller où, là? Je comprends pas. Bah, en fait, tu dois suivre la grotte, et ça va faire un demi-tour dans l'entrepôt. Oui, mais... Y a deux chemins, y en a un là... Et un... Un de l'autre côté. Ah, y a un chemin tout droit. Ah oui, bah la flèche, elle doit sûrement dire le bon chemin, mais tu peux toujours la contredire. Ah bah oui, voilà, la flèche, elle me dit là-bas, je la voyais pas, la flèche. Ah ok, d'accord. Donc je vais descendre, du coup. Oui. Et pourtant, Q-Big, tu es venu au stream d'hier, il me semble, et on était déjà niveau 41, donc... voilà. Oui, c'est vrai que... On a gagné que un niveau, peut-être. Non, peut-être deux, là, quand même. On était peut-être niveau 40. On était niveau 40, ouais. Donc, ou alors, je pense pas qu'on était passé niveau 41 hier. Ouais, je sais plus. Allez, ça suffit les combats, là, je vais regarder ma carte. Parfait. Vous utilisez l'ex bonus? Non, là on l'a pas utilisé. Non, depuis on l'utilise plus. On l'utilise et je pense plus. Qu'on l'utilisera je plus. Je pense qu'on l'utilisera plus là. C'est... enfin, en tout cas, sauf si nécessaire. Mais pour l'instant, on en a pas besoin donc on le fait pas. Vous étiez niveau 40 hier. Bah, au tout début du strip, c'est oui, sûr. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je sais pas si on l'a terminé niveau 40. Je pense que oui, quand même. Oh, petite chauve-souris. Oh, non, ça nous attaque pas, c'est gentil. Ouais. Allez, viens là, chiropterre. Vlad! Il s'appelle Vlad! Vlad, il est là, bien tu vois! Bien sûr! C'était. C'est, mais évidemment! Comment il se serait appelé sinon? Ah, ça, elles sont venues, les chauves-souris fantômes là. Ah, les dimas fantômes. Ah, il a deux cibles. Ah, il m'a tué! Vas-y, taillon là! Oh, bah dis donc! Vlad le harceleur. Bon, je vais tuer les petits trucs sur le côté là. Ça. Avec un nouveau Boros. Salut crevette garnie. Ah, ils en ont marre aussi, l'un de ces scénars. Eh, mais ça me fait penser à Sinfogir, la fille qui se bat avec des chakras, mais elle a aussi des roulettes. Ouais. Ouais, non, mais quand Mew elle s'est transformée, j'ai direct pensé à elle aussi. Hein. je vois. Ah, dommage. Non, c'est pas des chakrams, c'est des signes, mais pareil. Chakram, si, quelle est la différence hein? Ah, si, c'est retourné. Oh, mais je suis mort maintenant. Ok, très bien. Super! Ça fait plaisir! Ah oui, d'accord, il y a d'autres chenilles qui repopent, hein, c'est infernal! Zut! Du moment qu'elle vous attaque pas, ça va. Oh! Ah, petit enchaînement, on peut le faire. Oui. Ouh. Très bien. À quand David le magnifique. Alors, j'ai pas la ref, mais c'est très rigolo quand même. J'avoue. Let's go. Il y a eu hésitation, là, je sais pas pourquoi. Genre. Ah là, par contre, aujourd'hui, on a besoin de soins, par contre, en revanche. Hein. Bye bye Q-Big. Lens. Tu y arriveras pas je pense. Tu soignes pas plus. Moi aussi je soigne retour suivant. Ok. T'inquiète. C'est le premier nom qui m'est venu en tête, c'est d'accord, très bien. Donc, tout le monde sait que David est un magicien. Moi j'aurais dit Mio quand même, mais. Non, je vais croire en mon talent et je ne vais pas le faire maintenant.
plus un soin. Il y a Lance qui est pas soigné et Unique qui est moyen. Ouais, non, on va le garder pour plus tard, en fait. Vaut mieux, je pense. Histoire d'avoir un peu de points. Parce qu'il en fait 35, quand même, Taïm. C'est vrai. Donc, c'est pas mal. Flat le harceleur. Oh, oh putain, elle est motivée. Ah. Là, par contre, on va faire mieux. Là, tu peux faire une fille et après Taillon et après Alexandria. Ouais, ouais. Tu peux peut-être même faire Yuri. Ouais, mais peut-être pas. Peut-être qu'on jouera un quatrième tour. Je pense que. Bah, en fait, bah, je crois non, que. Je pense que t'auras un Ouroboros et ils te remettront tout le monde. Ouais, donc. Bah... Presque 200%. Mais je pense qu'ils vont faire le Ouroboros. Hein. Bon, là, on ne one-shotera pas, hein, du coup. Ouais, il semblerait que Vlad soit plus tenace que ça. Ah non, il n'y a pas eu tout le monde. Ah ouais. Ah si. Ah ouais, non, si, finalement, ok. C'est juste ceux qui ont eu des points en plus. Alors, on va faire une Mio. Qui a fait beaucoup trop de points en fait. et c'est tout. Très bien, c'est tout. Non, tu fais des soigneurs pour monter le compteur. Exactement. Oh, mais Lens, il a même quasiment revenu fou là. Parfait. Et là, le A de enfin, l'épée volante va dégommer Vlad. Il fait vraiment mal, hein, Noah. Il fait vraiment mal. Oh, il y a des petits trucs par terre, là. Bah alors, Mio, tu les ramasses pas? Ouah. Ah, presque, hein. Ah, on y était presque. Mince, il y a plein de trucs qui t'ont aggro. D'accord, ok. Ok. Bon bah voilà, tu as un point de sauvegarde. Tranquille, et c'était pas le coffre. C'était facile, oui, mais je voulais ramasser toutes les bêtises qu'ils ont fait tomber. T'inquiète. Très bien, très bien. Tranquille, c'était trop facile. Pas d'ignation pour Overexp. Hein. On n'a pas besoin de tant que ça d'Overexp, je pense. Hein. Là, ça va, hein. je pense que niveau expérience... On est bon, putain, mais on gagne trop doublons d'argent là. On en a dépensé 40, on a déjà gagné genre 9, je crois. Ouais, c'est ça, 9. On va acheter tous les premiers objets et les vendre, je ne sais pas. Ouais, on peut descendre. Voilà. Ah non, c'est. Non, c'est au-dessus ou je ne sais pas. Ouais, ouais, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Bah tiens, d'ailleurs, en fait, ça crée un autre chemin, en fait. Enfin, ça crée... Ça. Enfin, le chemin s'est adapté, tel un Google Map. Ah. Moi qui pensais que je pourrais aller récupérer tranquillement de... Eh bah... Oh, ça va plus vite. On commence à gagner des gemmes brutes pures et tout. Mm-hmm. Oh. Trop stylé les betteraves dorées. Des betteraves dorées. À manger, bien évidemment, avec une vinaigrette en argent. Ah, on sort de la caverne.
Quoi? Ah non, je crois que c'est là où... Ah ok, on a fait le tour donc, ok. T'as pas envie d'aller au bout? Non, non, parce que je sais déjà qu'il y a rien en fait. Mais je croyais que c'était pas grave la carte! Pourquoi y a un champignon comme ça? Bah, j'espère pour toi qu'il y avait pas d'échelle. Non, il y aurait eu un point d'interrogation. Non, y a pas. Ah bah là, personne m'a vu, très bien. Non mais en fait, oui, en fait, là, ça fait le tour en fait. Mais là, en fait, je le voyais déjà qu'il y avait rien, puisque je voyais des ennemis. Par contre, cette veine des terres... Elle, par contre, je ne sais pas, hein, y a pas d'excuse finalement. Bon, j'ai envie de dire que si, l'excuse c'est que les mobs ils sont trop méchants, ils font que nous attaquer tout le temps, hein. Du coup, on peut pas afficher la carte en même temps. Bon, j'espère qu'il va pas me voir, lui. Ouh, bah si, t'as vu. Vas-y, Lens, tente-nous ça comme un chef. Faut que je sais même pas qui vise maintenant. Merde, visez Noah, hein. Ok, genre. Ah, Lens, non, finalement, ça ne m'intéressait plus. Oh. Mais on n'est pas encore dans la grotte, là, si? Bah, si. Ah, si, oui. Non, mais c'est sur le coup, comme on avait trouvé un repère et tout, je me disais. Ouh. Retour des gros poissons. Ah, surtout, c'est l'autre, là, qui vient, mais non. C'est toujours Noah que les ennemis visent, oui, hein, mais non, mais Noah, je sais pas ce qu'il fait, mais... Il a une bonne provocation. Hein. Qu'est-ce que t'as vu? Rien, je me disais que je voulais compléter la carte. Allez, regarde, c'est pour gagner une pêche croustillante. Oh. Ah mince, mais attaque là. Mais pourquoi tu sors pas ton arme? Parce qu'il faut appuyer bien sur A et pas faire des petits coups. Parce que bon, quand même, on n'est pas arrivé jusqu'ici pour mourir maintenant quand même. Oh. Un point de sauvegarde, c'est gentil. Ça tombe bien vu que Noah est défenseur. Mais c'est fait exprès en fait. Il provoque les ennemis le temps que j'ai sorti mon arme et après je rengaine mon arme, comme ça il ne m'attaque plus en fait. C'est donc ça l'entrepôt? Par les ailes de la reine. C'est à vous tout ça? Ouais, et on a encore de la place. Laissez-moi faire les présentations. Voici Shell, notre merveilleuse gestionnaire de stock. Donc Shell, on fait comme je t'ai dit. Dorénavant, nos amis sont chargés de la distribution des ressources. Ça me va, ça doit être fait de toute façon. En plus, il y a de la surveillance, mieux c'est. Qui surveille qui? C'est vous qui me surveillez, moi, évidemment. Lorsqu'on dépend du cadran vital, la différence entre allié et ennemi est claire. Ton ennemi est celui dont tu peux voler l'énergie vitale, c'est aussi simple que ça. Mais nous ne dépendons plus du cadran. Ami ou ennemi, ils peuvent changer de côté en fonction de notre propre comportement. Là est toute la difficulté, n'est-ce pas? L'incitation confine qu'un des effets du cadran vital. Nous ne pouvons pas dire que le cadran vital contrôlait aussi notre comportement. Tout à fait. Le moment est idéal pour que des traîtres surgissent. Il est donc dangereux de confier trop de pouvoir à une seule personne. Ah, doutez-vous à ce point de vos propres camarades? Non, au contraire. Je sais qu'ils sont capables de réaliser n'importe quelle tâche. Nous sommes tous plus doués ici. Plutôt doués ici. Plus doués. Les aptitudes sont donc les seules choses qui comptent à vos yeux? Laissez-moi vous poser une question. Confierez-vous un travail physique à un chercheur toujours assis à son bureau? Mettriez-vous un soldat incapable de piloter une baignoire aux commandes dans les Unis? D'un point de vue stratégique, seuls comptent nos compétences personnelles. Tant que vous retenez ça, c'est suffisant. Quelqu'un n'est pas d'accord? Alexandria, vous. Elle est casse-pieds, non? Soyez gentille. Tais-toi, Shell! Mais ça me semble être une approche raisonnable. Personne ne sait comment les choses vont changer. Surveillez-moi ou pas, je suis avec Dame Alex, c'est tout. Vous tenez vraiment... Alexandria, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Mais je suis dans ma 10e période et il ne me reste plus beaucoup de temps. Et Dame Alex a besoin d'alliés plus que tout. Soyez gentil avec elle. Tu devrais pas parler comme ça. Ne parle pas aussi légèrement du temps qu'il te reste.
Je suppose que vous avez raison. Merci, papoté, occupons-nous plutôt des ressources de la colonie. Je dois d'abord faire ceci. Autorisation de distribution de ressources accordées. Qu'est-ce que c'était ? Vous avez désormais le droit d'accès au ravitaillement. Voyez cela comme une nouvelle fonction pour les cartes d'encyclopédie. Il y a vraiment intégré toutes sortes de fonctionnalités. Tu as l'air surpris, je suis flatté. Oh, je ne suis pas surpris, je suis choqué. C'est relativement simple à utiliser. Sélectionnez le commandant de la colonie à qui vous voulez envoyer du matériel, puis sélectionnez le matériel en question, et voilà. Pas très compliqué. Il fallait venir jusqu'ici, par contre, hein, pour le comprendre. Quoi qu'il en soit, c'est très simple à comprendre une fois qu'on s'en sert. Allez, essayez. Produit de la colonie Yota. Qu'avez-vous transmis aux troupes de la colonie exactement ? Le consul a été vaincu, mais les choses semblent relativement stables, ça me surprend. Vu le nombre de confidentialités du plan, je pensais qu'il causerait plus de soucis, mais Dame Alex ne procède pas ainsi. Elle se fiche complètement des prises de bec auxquelles elle peut assister. Elle nous dit juste de nous remettre au travail. Elle évite la panique en interférant au minimum. Elle doit avoir une confiance absolue en elle. Bon, maintenant tu dois envoyer des ressources à la colonie 4. Avant, je voulais voir, y'a rien ici. C'est un entrepôt, c'est déjà pas mal. C'est quête. Oh, mais y'a des gens qui veulent des trucs là. Ah, mais c'est Kaspar. Là, c'est à Ethel que tu dois donner des trucs. C'est vrai? Oh, trop bien. Ça va devenir mon ami. Je ne sais comment vous remercier. Ah, et du coup, ça... Ça fait de l'amitié entre la colonie Yota et la colonie 4. Elle nous a donné une ceinture d'argent incroyable. Waouh. On est devenu bien amis avec la colonie 4, j'imagine. Il y a du monde qui est content. Maintenant, tu dois parler à Shell. On dirait que tout s'est bien passé. Vous pouvez gérer environ la moitié des ressources dans cette pièce. Ce sera à vous de décider comment les distribuer. On vous fait confiance pour les répartir en fonction de l'intérêt commun. Le quoi commun ? Et vous voulez qu'on aide chaque colonie en fonction de ses besoins, c'est ça ? Oui, c'est un échange de bons procédés. Il faut voir ça comme un investissement qui portera sûrement ses fruits à l'avenir. La colonie de Alexandria, plus tard, ça va être la grande ville. C'est vrai, hein. Ce sera la capitale. Nous avons peu de marge en ce moment, mais les réserves... Un peu de marge en ce moment, mais les réserves dont nous disposons ne sont évidemment pas éternelles. Nous ne pouvons pas les distribuer à toutes les colonies. Réfléchissez bien au moment de la répartition. Ne vous cassez pas non plus trop la tête. Donnez-les simplement aux colonies qui en ont le plus besoin selon vous. Donc là, maintenant, on a encore des trucs à donner à des gens. Ah oui. Ils veulent tous des trucs de la colonie Yota, hein, quand même. Bon bah, allez-y, prenez. C'est pas écrit combien t'as de trucs de colonie Yota? Si, j'en avais... Ouais, non, j'en avais 15, du coup... Ah, lui, il en veut plus, hein. Le maître gourmand, quand même, hein. Du coup, c'est pour ça, là, je peux l'utiliser, je pense que j'en ai assez pour tout le monde. Ah, il est gourmand aussi, c'est bon, en fait. Tout le monde a mis avec la colonie 9. Yota, pardon. Ouais, en plus ça montre bien notre amitié avec, donc c'est plutôt stylé. Je vois, c'est comme ça qu'on gagne des étoiles supplémentaires. Bon. Voilà, est-ce qu'on va pas s'arrêter là pour aujourd'hui? Peut-être bien, mais on avait une autre quête à faire ou pas? Oui. C'est vrai. Il me semblait... Oui, le redémarrage. Et ça, c'est une quête de la colonie lambda, donc. Ouais, mais je la mets juste comme ça c'est fait, tu vois. Enfin, comme ça elle est équipée, on n'oublie pas. Voilà, plutôt, plus exactement. Bon, je vais sortir d'ici quand même parce que... pas que je veux pas me dire... Bon, par contre, il n'y a pas moyen de sortir de ici, genre... Mais j'avoue, filtre... Attends. Ah, ça attend. Il y avait... Ah non, c'est le curseur, filtre d'icône, recherche, place un marqueur, maintenir, confirmer, retour. Et si tu dézoomes... Non. Oh non, là on est déjà dézoomé au max. C'est quand même étonnant que tu puisses pas changer de zone. Est-ce qu'il y a un bouton pas indiqué qui fait quelque chose? C'est pas possible. Ouais, j'avoue.
Ah non, c'est vraiment comme ça qu'on se téléporte dans les endroits, en fait. Genre là, ok. Bizarre. Alors là, la Coney Lambda. Ouais, c'est juste là, qui est très bien. Et du coup, on va pouvoir faire notre conclusion. Ah oui, c'est quoi ta conclusion? C'était bien le désert. Ah, c'était bien les déserts, toujours aussi long, incroyable. Hâte du prochain stream où on découvre que finalement, il y a encore un truc. Bien sûr. Où on a encore un truc à découvrir dans le désert. Il part à l'aventure avec Taillon. Ah, c'est Shijima et Moraine. Comment te sens-tu maintenant? C'est moi la grande forme, mais je me sens pas mal non plus. Ah mais oui! On est assez réconforté comme ça, il ne reste plus beaucoup de temps, mais vous savez quoi, je m'en bouche. Faire tout ce que je pouvais pour profiter au maximum de ma vie, merci à vous. Ah, c'est bien ça. Bien, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour le prochain. Au revoir tout le monde! Oh. Vous pouvez plus me rejoindre maintenant.